peuple qui éduqué, Jean Haïtien oui, dit là. Phénomène, tout Dominicain, ils sont fiers d'être Dominicains. Nous autres, nous avons dit nous fiers, que nous avons mis le drapeau sur nous, mais en fait, compte. Mais drapeau sous nous, and that's it. Après ça, nous allons être une merde. Regardez pour vous, côté de Salines. N'a pas de prendre nom de Salines, vantel, font paquet de barres, mais côté de Salines, mourir. Caille de Salines, son fatra. Cave de Salines, son fatra. Donc maintenant, on n'a pas qu'à dire mourir, mais de Salines, de nos libertés, mais on pas même honorer côté enterré là. Ça veut dire qu'on pas même, mais on pas même honorer caille de Salines. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que nous sommes un peuple qui est très émotionnel et dans l'émotion non, qui fait Haïti quotidien là. Et nous tous qui fait cause. Mais même qui était sénateur, je supporte Michel Martelly. Je n'ai pas de responsabilité, Pam. Là, côté Haïti. Je ne suis pas de voler. D'ailleurs, non, je ne suis pas sénateur. Non, bon, on ne dit pas capable, mais même son est qui crée à tête. Mais si je me supporte Michel Martelly, pas un bon président, eh bien, je suis aussi coupable. Est-ce que, mais à un niveau... Est-ce que si le candidat a supporté encore? Ah non, je réfléchis et je me supporte deux ans. Je ne bon menti. Ah bon, ça, mais, ouais, Michel ouais, Martelly. Mais est-ce qu'on pensait que Martelly a supporté Edo? Pas quoi. Pourquoi? D'ailleurs, c'est un homme qui t'a supporté Michel pendant mes 5 ans. Pas un bagage, moi, j'ai dit Michel, il t'a fait pour moi. Et je demandais le route pour sortir Pérédo pour arriver en Sapi, qui boutait bam, on sort de, parce que je suis commerçant. Oui, les routes la fête. Les routes la fête, nous connaissons qui s'est tabalié, parce que la République Dominicaine d'Abvin, tout près, moi, en sapit d'Abvin, tout près, et puis t'as un pile petit commerçant, et gros commerçant, et petit commerçant que t'as pas, même les chauffeurs de taxi, moto, voiture et camion, t'as pas générer l'argent. Je pas de bamouen. Pour qui Je pas de bamouen. Pas grand, il me demande Martelly, et Martelly dit, mettez-moi, et dernier, le fin de pas président, quand le fin de la caméra, jamais la radio, moi, lui excusez lui devant le peuple sud-est, ça pour lui dire qu'il n'y a pas de servir d'eau. Matin, il n'y a pas de servir même, parce que matin, il n'y a pas de jambes quoi dans les deux génies, il n'y a pas de jambes parce que je suis capable, même au conseil, je me débarque, il était quoi dans Lambert, il était quoi dans Yuri. Il était quoi là, tout l'autre négro. On quoi là, bien ça, moi, pas la Martelly, parce que, Yuri la Martelly, au contraire, Yuri fait rapport, dans le bout de Martelly. Tout l'autre négro, la Martelly. Rapport mette au Caribé, il te prend pour. Rapport mette au Caribé, et c'est rapport ça, jusqu'à présent. Donc, j'ai rapport ça jusqu'à présent, qu'a triangulé Michel Martelly. Cool. Et Sandro, et c'est peut-être Joseph Lambert. Qui pas trahi Michel Martelly. Après ça, tout nègre était prêt pour mon nom, pour politique. Tout nègre fait moudal. Eh bien, regardez, parce que je fais ma vie, je continue ma vie politique. Je continue ma vie. Mais même si je dis à Michel Martelly, candidat encore, écoute-moi, à 90%, pas besoin de Dozini, et m'a pas merde. M'a pas la merde, mais m'a pas besoin de Dozini qui a supporté Michel Martelly. Donc ça veut dire, ou pas, bah, monsieur, département sud-est, parce que vous savez, vous n'avez plus populaire dans le sud-est. Mais m'a pas répondre question mais Sweet Mickey c'est Sweet Mickey a fond balle là et deuxième diable là parce que Sweet Mickey c'est tout c'est Martelly on a pas tout c'est Martelly ça sont l'autre bagage mais affaire politique là pas parler de Michel Martelly encore non lui même l'a dégagé lui même si pour le sud-est m'a prêté bébé et m'a pas avancé et lui mettre président pas président m'a pas empêcher le babren m'a pas merde mais je ne serai pas prise et deuxième ne sera pas prise parce que j'ai beaucoup souffert. Sénateur. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert avec cette histoire de PHTK. Parce que chaque temps mon abjour et moi, on me si bon bah au prochain, c'est PHTK. Ouais, comme tu me l'as dit, vu que toujours dit Michel est un ami, bon mes amis, Michel est un ami. Pierre de dit bakon Jésus, m'a pas camper pour m'a dit. M'a dit m'a bakon Michel Martelly, mon nèg m'a vieux football depuis m'ai 19 ans. Je dis m'ai 54 ans. M'a pas dit m'a bakon Michel mes amis. Darius. Oui, sénateur. Et alors où dit à partir d'aujourd'hui on parle Martelly encore. Donc si Martelly t'a candidat pour supporter la 90%, qui sort reprocher Martelly ou du moins côté le échoué. Bon, échoué, c'est Michel qui vous vient du côté de chez parce que c'est ça que je vous demande. Non, mais si vous ne pouvez pas supporter encore.
Non, je ne vais pas supporter. Oui, on constat fait. Donc, partagez avec nous. Darius. Oui, oui. Darius, raison que je ne vais pas supporter, c'est que le sénateur pour contre. Et bien, Michel Batelli était fait sénateur. Michel Batelli au premier tour, Michel Batelli président. Moi, Maïssa Jacmel, Michel Botkoulan en politique. Mm-hmm. Et je suis sûr que je suis dans mon département. Et moi, j'ai porté le bail Michel Martelly comme sénateur de la République. Mm-hmm. Et lui-même, il n'a pas retourné ma sœur. Il n'a pas retourné. Oui. Donc, je dis à Simda Candida, soit pour président, mais pour sénateur, je serai un sénateur, peut-être. Mais une opposition qui a produit, est-ce que tu vois, et bien constructif, le débat est constructif pour le pays, hein? et même si que je ne peux pas supporter mon encore en vie, parce que j'ai fait une très mauvaise expérience en supportant Michel Batelli, parce qu'il n'est pas retourné ma censure. Parce que si j'ai été vivant, si j'ai compris une décision, ça n'est pas personnel, il n'est pas gagné pour jouer avec résultat ou pas Batelli. Non, résultat Martelly, c'est lui pour venir. Elle pour venir à l'équipe. Parce que monsieur, mon équipe, tête Cocorate, Line Baltazar, équipe Texas, c'est des Cocorate, c'est des ratés. C'est des gens qui ratent. C'est la vie aujourd'hui à faire. D'abord, continuer sur le même lancé et Darius là. Qui ça ou dit Martelly pour te faire le parfait pendant tes présidents? Tout ça me dit pour te faire, pas de faire, par exemple, la transparence. La transparence dans l'État, c'est une plus gros bagage. L'aime te potel en de parlement, tout n'est que te courir d'aime, parce que sous l'aigle, mon chef. Sous pouvoir ou pas, mon chef. Ou va tuer pouvoir et d'autres. Non, abattuer Martelly. Bon, tuer Jovenel physiquement. Oui. La transparence dans l'État, c'est le plus gros projet qu'on ait gagné. Tandis que si t'as une transparence, t'as pris mon stade. Et pas ça seulement. T'as pris tout le bagage. Et puis, laisse-moi te dire, l'homme sénateur entre dans la boîte l'État, il prend 10 millions de gouttes pour le fonds route, il n'y a pas fait. Et bien, on saura sur le site de l'Internet de tel ministère de travaux publics qu'il y a un sénateur qui est venu et puis qui a mis un projet. On lui a donné le projet. Et puis, voilà le montant, voilà le numéro du chèque, voilà le débat. C'est pour telle zone. Et bien, il n'y a pas obligé de faire. Notre espérance, tout le monde t'a connu. Tout le monde t'a connu. Notre espérance, c'est toi qui t'a connu. Ou Thomas Sikla qui a été par Cop Boulial parfait pour qui réseau et qui compagnie de prendre. Qui de prendre? Oui, ou Thomas Sikla. On a un problème. On a un problème à Jacques Mel. Il a dit que il a été par Cop Bepot. Mais pas Jim par Cop Bepot. Mais maintenant, il y a la guerre sous l'ambert. Et des fois, il y a des politiques qui ont la dîme de là tout. Oui. Donc maintenant, si avec cette transparence, eh bien, nous avons connu que pas de Cop l'État, parce que pour fonds Airport, là, à d'ordre de 20 à 30 à 40 millions de dollars, on tient pas. Mais maintenant, si vous comme là-bas dans l'État, faut qu'on appelle d'offres, mais que le peuple là-bas comme ça. Le peuple lui-même, c'est Diodil, il était bail comme là, puis d'accord, il était bail comme là, qui il était bail dans le sac. Ou déjà volé. Il était bail dans un gros sac, et puis fini, tout le monde volé. Donc il faut la transparence là, le prochain gouvernement, le prochain monde qui parle président, mais qui parle dans l'État, mais pas le ministre, c'est la première chose qu'il faut mettre en action, c'est la transparence. Ça veut dire que tout projet qui a fait Gary, il faut que si c'est dans le ministère, il faut que le ministère ait un site pour tout le monde qui a monté pour dire oui, le projet ça a été fait. Non, le pas fait. Et là, on commence à résoudre problème volé. Et donc, bon niveau de transparence dans votre gouvernement, ça. Moïse Jean-Charles, agriculture. Fritz Jean, éducation à culture. Famille Lavalas et travaux publics. Qu'est-ce encore, hein? Et de Claude. Défense. Mm-hmm. 21 décembre. Santé. Bon niveau de transparence. Maintenant, ou pas penser? Non. Faut transparence dans la direction générale tout pour connaître qui est tout chaque monde à mettre et qui est. Gary Conny, bail, contrat, ramasser fatra, tout partout. Vous comprenez qui accord que signé, transparence dans tout. Est-ce que faut pas ta connaît qui est qui dans le cabinet chaque membre CPT? Scoop. Et combien touché? Eh bien, c'est là, tu sais. Elle a pour réguler. Regardez, elle a pour réguler l'histoire du pays d'Haïti, pas de Haïti côté. Ouais, mais même pas qu'à président. Parce que je ne peux pas faire 5 ans.
pour me président, c'est 10 ans pour moi. C'est 10 ans pour moi. Avec une dictature progressiste, on a fait de ma moun, ça, tu vois. Ça veut dire que le pays est capable de changer. Il faut venir, il faut venir. Il faut que nous ayons des mouns qui sont d'accord que si je touche 21 000 dollars dans le Sénat, je prends 5 000 dollars, je prends 16 000 dollars. Il faut que je sois d'accord que tout le monde connaît comment le Sénat est touché. Mm-hmm. Après ça, ouais, les mouns en 2011, montez sur Google, mettez le deuxième Sénat. Ouais, le premier monde qui dénonce que. Et un sénateur coûtait l'État 10 000 dollars américains. Moi, je dis à l'époque, oui, qu'on y a le 20. Moi, je dis à l'époque, 10 000 dollars, je me dis, c'est un ami, pour me parler du fidèle de Michel Martelly. Et parce que Michel Martelly, j'ai une relation amicale de longue date, depuis que j'ai 19 ans. Vous entendez bien, Gary? Bien, on m'a parlé. Nous entendons bien. Ok. Ok. Je ne suis pas dans le PHTK, mais j'étais un supporter. Qui j'aime d'Aoussam? Je dis bon ami Michel jusqu'à présent. Et je suis sénateur, sénateur du pouvoir. Donc, je ne vais pas courir pour lui. Je ne vais pas courir pour lui. Et je suis sénateur du pouvoir. Et pour candidat à la présidence, je ne pense pas, je ne crois pas, je ne sais pas non plus. Ça veut dire, ça veut dire qui ça? Ça veut quelle dire réponse diplomatique? Oui, mais moi, écoute, être candidat, regardez, il y a des bagages qui sont importants pour moi dans la vie. Je dis à qui c'est famille, moi, parce que moi, j'ai 55 ans, bah jeune, même si je suis un frère, même si je suis un grand monde. Nous sommes jeunes grands mondes. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est regarder qui j'ai un pays qui marche bien et comment même moi, qui arrête de vivre la donne, parce que je finis le travail. Une fine gain ça pour gagner mais bataille donc je dis pas que je vais vivre en République dominicaine à cob moi ou bien vais vivre Miami avec cob que me fais dans pays que me travaille et puis j'ai un nom aussi en Haïti je n'ai pas ce nom en République dominicaine tout à fait aux États-Unis d'Amérique donc même si me gagne l'argent ma chambelle car en République dominicaine mais c'est pas même feeling là, c'est pas même plaisir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas d'être président ou bien candidat à la présidence mais c'est de garder qui j'ai ensemble donc à construire l'autre Haïti pour tout le monde capable de vivre là donc c'est ce qui m'intéresse. D'accord, merci. Merci beaucoup pour réponse ça mais gomba qui est extrêmement important, on a pas avancé rapidement parce que nous connaissons son nèg proactif. Est-ce qu'on pensait des nèg que sanctionner dans pays capable toujours candidat pendant au fin de faire pays tout temps ça. Bamdou, il y a un petit gros problème que nous avons dans le pays, c'est la population qui paye. Si on comprend, ça pour le régler lui-même. Par exemple, si vous songez, dans toute l'histoire d'Haïti, pour ces consolidations, vous songez, t'es condamné, qui t'es en prison, et puis, tous les trois viennent président du pays. Et nous, nous vivons un pays côté grand peuple, qui est très naïf et qui est très émotionnel. Ça veut dire que, au bas de la saisie, et Michel Martelly, qui est un ami, qui tournait la politique, et puis au gado, la vie n'a pas de problème, tandis que là, politiquement, pour nous, là, qui avons gardé, qui avons fait politique, politiquement, Michel Martelly est un homme mort, ou d'accord avec moi. A priori. Mais, voilà, ça veut dire qu'il est capable de réveiller, n'importe qui l'est avec des paroles, avec des slogans, avec des bagailles, et puis, où en population, cap marché, cap continuer. Écoute, nous vivons dans le pays, il faut apprendre qu'on peut, nous, même ces plus gros forces de Zénie dans le département sud-est, m'apprendre qu'on population, m'apprendre qu'on mounio, m'apprendre garder qui ça mounio bien. Une grande chance. C'est que je fais dans une famille aisée, pour me dire bourgeois, aisée, et je vis dans le peuple. Ça veut dire que tous les amis, le seul côté de l'école qui était un petit jambard, c'est dans Dikini de Kavo, au centre Adventiste Dikini, je me suis fait 2 ans la dernière. Après ça, je retourne à Jacmel. Ça veut dire que j'ai vécu un homme de la province. Je suis un homme de la province. Ça veut dire que je compte ça les rois paysans, je comprends les paysans, je comprends le peuple là, moi vivre souffrance li et moi comprendre souffrance. Donc la première chose c'est pour comprendre le peuple. De pour comprendre le peuple, tout est possible. Ouais, Yuri l'a tordu
a fait y retourner en politique là. Regarde pour moi. Ouais, il a dit que nèg pas marcher. Bon ben oui, a marché. Petit à petit, comment son bagage dans département. Il a fait conférence, li nan cérémonie Ronaïve et cetera. Ouais, et il relait tout journaliste, et il gain pour rencontrer l'autre journaliste, il peut dîner déjeuner avec un journaliste, monsieur Apo, parce que pas Mexico nèg c'est des vieux routiers de la politique. Mais c'est ça me dit Gary Darius Davidson. C'est ça me dit nous, ce peuple là, ce peuple émotionnel, il faut que nous comprenions. Ça veut dire que il y a pile les qui jouer sur émotion peuple là. Mm-hmm. Tu vois, et c'est ça que fait les anciens politiciens yo, les traditionnels yo, pas jamais les faire payer à marcher parce que yo connaît pas jamais sanctionner vrai par le peuple. Parce que monde qui vous sanctionne, écoute-moi. On me dit que je ne peux pas être président parce que on va finir casse. On me dit mais OK. Pas de problème. Mais la majorité de la population pas fait, qui peut le voter, pas fait, pas fait, pas même fait classe du donc tout. Donc ça veut dire, donc, ouais, population pas jamais dans le pays, ça veut dire, oui. Ça veut dire que le pouvoir si ma fait réservé pour une minorité cupide et égoïste. Résultat. Voilà, ça veut dire que tout nèg qui t'est réussi, qui vient demain matin, soit médecin, soit un doctorat en tel bagage, ou bien maîtrise en tel bagage, mais papa et maman, pas qu'on lit. Donc, en majorité. Donc, maintenant que ils sont arrivés, ils viennent arriver président, mais ils viennent arriver au plus haut niveau de l'État, mais ils ne vont pas me faire un bonnet qui derrière. Donc, émotionnellement, pour répondre à la question directe, son peuple émotionnel, c'est, on n'a pas dit que nous n'avons pas qu'à tourner. Surtout que grand débat, dans l'affaire juridique en Haïti, si nous gagné bagage sous douille aux États-Unis, est-ce que vous gagnez en Haïti? Ça, c'est un débat. Est-ce que si vous sanctionnez les Nations Unies ou bien blanc sanctionnez le Canada, et c'est Canada qui sanctionne? Est-ce que la justice haïtienne sanctionne autour? Voilà, c'est un autre débat. Okay, maintenant, okay. Sinon, vous n'avez pas sanctionné Haïti, laissez-moi vous dire que vous avez un candidat et vous avez un problème. Vous êtes en bas, normalement, il y a deux bails qu'on connaît. Au nom de l'histoire et de la vérité, quand pile n'est qui a amené dans le pays, c'est un ses collègues qui te met des âmes dans le pays. Donc, qui j'en comprends une situation, ça? Député et sénateur, finalement, négio. Ouais. Et puis, je dis, pour te traverser, ou pas, même qu'à traverser Ville-Bord-au-Prince, obligé de passer par la frontière, etc. Mon situation, que négio, entre autres, et certains bourgeois, même avant, aider, ouais, pour, financer, pour qu'il y ait des âmes. Qui soit abdi nous par rapport à la situation. Ça va se dans le Parlement. Où est-ce d'ailleurs? On a l'aide. Bon, ça sont un gros débat, les trucs. Parce que, armé quelques monde. Par exemple, nous avons des rapports, nous avons des rapports Nations Unies qui dit Michel Martelly, tête calée, et on s'en parle le bien de l'autre monde, c'est pas par le bien de lui-même. Ça veut dire c'est pas lui-même qui était baïs am, non? Mm-hmm. Mais son monde sous côté, que le t'es fait baïs am. Oui, pour tes âmes. Mais son grand âme qui baille. Ça veut dire son Galil qui baille, qui mm-hmm. peut, que peut-être pour être, capable de maîtriser. Mais maintenant, là, m'bac, ouais, toutes âmes qui l'ont mené, c'est sénateur et la bourgeoisie, ou bien certaines, bon, faut dire, ont parti de la bourgeoisie qui a fait politique et qui a fait politique et qui a fait quoi bureau politique. Parce que, même, on n'a pas besoin de citer, non, mais n'importe qui, le m'a écrit, bah, et sous, bon, le m'a fait, bah, et sous, vie, moi, non, mon j'ai cité, parce que même son, j'étais gain, on est, y'en a un gros, grand Port-au-Prince qui fait politique et qui fait quoi, avec qui vend l'État. Aujourd'hui, eh bien, monsieur, t'es un deal motocyclette qui t'est gagné, entre lui-même et lui-même, et puis, l'écap, il dit, moi, devant, lui, il m'a tiré, et laisse me descendre la tête de la République. Ça veut dire, que ça, son nez qui gagne pile pouvoir pour le cap et pour le sénateur, que le tiré. Est-ce que tu vois? Pour quelle raison? Bon, t'es un conflit de motocyclette. Oui. Achat motocyclette, d'appel d'offre de motocyclette. Appel d'offres, exactement, appel d'offres. N'est pas ce qui m'ont gagné, ça dépend de pour bail. Comprenez? Donc, le Kounia là, il dit, mais quartier, mais comprenez, je viens commencer à comprendre que Port-au-Prince est mettre. Et c'est une raison qui fait même le même des sénateurs, je ne vais pas dormir dans Port-au-Prince.
moi toujours dormir là quand moi laisse ça pays c'est bon je vais me retourner séance mettre fin à 1h du matin me retourner là quand pour me donner la question mais moi pas quoi que c'est seulement la bourgeoisie et les sénateurs qui mettent pays à là. Je pense aussi que l'opposition haïtienne, ce qui est une opposition stérile pour les États-Unis, qui ne produit pas 60 dollars, parce que dans tous les pays du monde, une opposition, c'est de taquiner le gouvernement pour faire le marché. Il n'est pas empêché le gouvernement de travailler. Nous autres en Haïti, l'opposition est stérile et puis elle bloque Haïti. En premier lieu, soit regardez le discours de Préval, soit regardez le discours de Jean-Bertrand Aristide, soit regardez le discours de Michel Martelly et le dernier discours de Jovenel Moïse. On va comprendre que l'opposition haïtienne, c'est un gros problème que Haïti a. Parce que il n'est pas productif, il n'est pas produit, il met des âmes dans mes tout. D'ailleurs, je me fais tant de barbecue, qui a dit que Don Kato était ici, Don Kato était ça. Je me sors de tant de. Et quoi des bouquets à table, dit André Michel, Nenel Kassi, Nenel Kassi, Nenel Kassi, bon, on connaît. Et puis, dans l'histoire, tout, il y a dit que l'heure est arrêtée, Nenel Kassi, Nenel Kassi, comment il s'appelle encore? L'autre là, ça qui dit, ça qui était des commerçants LTE avant, entreprises LTE. Ah oui, ça qui était un peu. Ah, il y en a qui ne pas des bougons. Moi qui est. Man, li ou bien. Oui, il y en a qui. Oui. Nous avions, au contraire, les arrêtés, monsieur, je ne connais pas, mais monsieur, je ne connais pas. Je ne connais depuis que je suis à l'aéroport. Non. CNN dans la caille, monsieur Denier, pas quoi de bouquet là. Vite l'homme. Ouais. Exactement. Vite l'homme. L'État était vite l'homme. C'est l'histoire, non? Je dis CNN, c'est André Michel qui était avocat, qui s'appelait pour faire la gueule. Bref, ça veut dire que. Un autre avocat connu dans le pays pour aller la gueule. Donc, mais ça va nous raison que ces députés, sénateurs et puis politiques, c'est eux-mêmes qui ont entretenu le mouvement ça dans le pays. Et ça même, oui. Il n'y a pas en sortie de là. C'est discuter que ce n'est pas un sénateur. Mais c'est pour montrer son ambiance de mal, c'est son ambiance de, excuse-moi, de friction, de cocorate qui fait que le pays à côté de là. Ça oui, mais dire, Edo, c'est l'opposition qui est au pouvoir aujourd'hui au niveau du CPT. Gardi Leblanc, Moïse Jean-Charles, c'est eux-mêmes, et Fritz Jean. Oui, c'est eux-mêmes. Si je dis à l'opposition, demain, il est au pouvoir. Donc c'est la classe politique dans sa majorité. Oui. Dans sa dynamisation, de cocoatisation, qu'on doit parler. Là, c'est eux-mêmes qui toujours au pouvoir. Non, mais moi, toujours dire ça. Et il faut être un bon visionnaire pour être capable de diriger le pays. Ça. Son pays gagne pile à tout là-dedans. Son pays gagne soleil. Son pays gagne tout ça qu'on a besoin pour être capable de développer le gain. Mais maintenant, est-ce que les idées sont là? Est-ce que mon est capable? C'est pas parce que même nous, c'est pas ça, parce que vous êtes montré que vous pas capable parce que mes côtés nous aujourd'hui, vous montré que vous pas capable. Exactement. Ça veut dire c'est pas une belle phrase, un bon français, voilà. Un gros machine, voilà. Un montant discours, voilà. Etc. Quel est le projet de ces politiciens pour Haïti? Projet à qui salte et pas projet à comme résultat. Donc le projet des politiques pour ce pays, c'est la gangstérisation, c'est le blocage PIA, c'est disparition classe moyenne, c'est la faillite de l'État. Vous comprenez? C'est ça le projet de ces gens. Écoute-moi aussi. On l'autre bagaille, monsieur. L'un des gars fait politique, et puis c'est politique, c'est moi qu'on fait, ou vivre de la politique. C'est un pigrum maloui qui est capable de faire un pays. Ouais, si vous regardez la République dominicaine, là, tout les gars fait politique, 3-4%, c'est homme d'affaires, Regardez, moi, et ça fait pas qu'à parler dernièrement, parce que je découvre pour un yacht, pour un accident. Qui font accident motocyclette. Et l'hôpital que là, Léa, c'est pas l'État, non, c'est l'hôpital Estrella fait, oui. Ça veut dire que c'est un grand nègre de pays qui fait l'hôpital. Et puis, je dis, si monsieur te fait accident, ça Haïti, monsieur mourir.
monsieur mouri, même côté monsieur arrivé, il a intubé monsieur, monsieur pas qu'à respirer. Yo guitan mette monsieur sous contrôle. Yo géré monsieur, même monsieur guitan. Monsieur fait 2 jours en coma, 16 ans. Monsieur guitan levé là.